Voilà la technique pour enterrer toutes les merdes là. Voilà ce qu'on fait toujours sur les chantiers. Voilà, on creuse un gros trou, met la belle terre là, et puis toutes les merdes on enterre. Et puis après, on remettra la terre par-dessus là, voilà. Bon là, ce qu'on disait à l'instant, là, la terre de Pertuis, là, ici, elle est extraordinaire. Hein. C'est pour ça que c'est une région de culture maraîchère. D'ailleurs, je l'écrivais là hier, je crois, sur un post là, en commentant une photo. C'est dans quelques jours où ça va peut-être même commencer le début des asperges, là, où il faut de la terre qui est sablonneuse, qui est souple, sinon elle pousse pas. Hein. Donc celle-là, de la terre noire, là, comme ici, c'est exceptionnel. Hein. Bon, Jean-Baptiste qui habite à Bouc-Bel-Air, là où j'habitais avant, là, juste à côté d'Aix-en-Provence, il n'a jamais vu ça, on voit ça nulle part, il n'y a qu'ici qu'on voit ça. Donc là, il a creusé, il me disait, ça y est, on voit là, voilà, juste là où il vient de passer le godet, il y a quelques petits cailloux, donc il est peut-être à 1 mètre ou 1 mètre 20 de profond, ça veut dire qu'il y a pratiquement 1 mètre de modèle. Bon, il fait toujours un peu le guignol avec le pelle, hein. Ça, on a toujours fait ça aussi, hein. tout le temps. Voilà, puis on tasse. Voilà, comme ça, toute la merde, elle est évacuée, on ne voit plus rien, on ne s'emmerde pas à brûler, à transporter. Puis après, bon, ben, ça pourrit, ça fait de l'engrais, hein. De toute façon, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, bon, on a quand même bien avancé, hein, puisque tout ce coin-là est dépiauté, là, tout ça est enlevé. Après, c'est derrière, là où il est, qu'il y a des monstres, on a déjà sorti quelques-uns, là, des érables qui font, j'en sais rien, au moins de 10, 15 cm de diamètre, hein, qui sont monstrueux, il y en a 4-5 là-bas derrière. Après, de ce côté-là, c'est des marronniers, mais bon, on va arrêter, là, je pense que, bon, il a dû repartir en début d'après-midi pour son travail. Là, il est arrivé, ça fait peut-être une heure et demie, là, et bon, il m'a dit, on terminera dimanche, là, sinon, parce qu'après, demain, il a du travail, voilà. Bon, il a fait un super boulot, super bien, je suis super content de lui, ça m'a vachement bien avancé. Je pense qu'on en a sorti une centaine, déjà, des, comment ça s'appelle, des troènes, là, comme j'ai, voilà.